Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes actuellement le 11 mai 2018 et à partir de demain, donc du 12 jusqu'au 18, nous serons avec la classe de cinéma du lycée Henri Mec pour assister au festival de Cannes. Je vous invite à nous suivre pendant toute cette semaine, on sera accompagné du coup de mes deux meilleurs potes, donc Red, donc Julien et Valentin. Et on espère qu'on va vous faire découvrir plein de trucs, que les plans vont être sympas. Pour l'instant on n'a rien organisé du tout, on sait même pas en fait vraiment qu'est-ce qu'on pourra filmer là-bas. Mais tout ce qu'on va faire, on va essayer de vous faire un petit compte-rendu. Et on va essayer de rendre ça aussi attractif que possible via le montage, tout ça, vous connaissez. Et donc du coup, je vous donne rendez-vous demain dès 6h. C'est parti. Le micro, il est trop chou. Mais on dirait vraiment purée. C'est la peau. Comment je me fais? On va direction l'aéroport. Voilà, donc ça fait c'est notre deuxième journée à Cannes. La première journée j'ai pas pu filmer parce que j'ai pas pu filmer l'intérieur du festival simplement parce qu'en fait on n'avait pas le droit de ramener la caméra, du coup on s'est un peu fait avoir, mais je m'y attendais. Et du coup en fait il y a beaucoup de choses au festival et je ne sais pas si je pourrais les filmer du coup. Et du coup ça me déçoit un peu parce qu'à la base je voulais vraiment vous filmer l'intérieur, je voulais vous filmer les stars, je voulais filmer les montées des marches et tout. Mais ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Mais je vais quand même ramener, je vais quand même emmener avec moi l'appareil et vous emmener avec moi. Et on va aller normalement aujourd'hui voir un film. Alors je pourrais pas filmer à l'intérieur de la salle, mais j'essaierai quand même discret de vous fournir quelques rushs, même si c'est pas forcément extrêmement légal. Et du coup on sera toujours en compagnie de Julien, Valentin et Noé. Thank you.
dès le matin, ça fait plaisir. Allez. Dès le matin, compliqué, acclimatation. C'est parti. Alors Julien, bilan de la première journée. Ce fut le... Non, franchement, c'était bien. Moi je dis, ouais, mais c'était, moi, je dis c'était bien. Genre c'était un peu n'importe quoi. On a fait la queue pendant 3 heures. J'avoue. On a fait la queue pour... On a attendu 45 minutes aussi. Au soleil en smoking. Ouais. C'était assez violent. On s'attendait pas. On a dû se préparer en jamais. Et après on a vu un film, il était bien. C'était avec l'actrice Jane Fonda. Donc qui a fait qui est une militante. Et ainsi qu'une actrice, fille de Henry Fonda, qui est un très grand acteur américain des années 50. Ça, c'est pour la partie histoire. Et après, il y avait quoi de nouveau? Si, il y avait la réalisatrice Suzanne Lacy qui est venue. Il y avait le directeur général de Cannes. Ouais. Ça, c'était badass. Le gars savait même pas le nom des invités et leur association. Et après, il y avait quoi? Après, on est rentré. Il était minuit et demi, je crois. Minuit, non, il était 23h en vrai. 23h ? Ouais. On a mangé à minuit alors. Ouais, on a mangé à minuit. On mange des pâtes, c'était vachement bien. Et après, à 2h, il faut pas dire ce qui s'est passé. Ouais, à 2h, on a pas dormi. Ouais, en fait, on a eu une grosse insomnie. On s'est couché à au moins 3h du mat. On a eu une insomnie, du coup, on a dormi à 3h du mat. Une insomnie basée uniquement sur le manque de sommeil. Hein. Oui. Voilà. Donc, on a du coup nos petites accréditations pour le festival. Et actuellement, on est complètement crevé. Et l'accréditation du bus. Non, bah ça va. Ouais, mais attends, t'es un enculé, ça t'a dormi pendant tout le film. Accréditation, petit passeport. Alors, non, on peut pas le voir sur le focus de la caméra, mais c'est derrière, parce qu'on fait partie d'un groupe de. Ah, yes. Le petit logo qui fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça, c'est des. Spécial pour. Ça en fait du coup c'est le badge qu'on obtient quand on fait partie d'un groupe de cinéphiles. C'est un badge spécial cinéphile qui nous donne accès à des séances. Bon après ça reste quand même ultra galère d'obtenir des places. Et il y a des changements de dernière minute quasiment chaque jour. Et on est qu'au deuxième jour et on a déjà eu plein de changements. Donc on va voir ce que ça a donné aujourd'hui et puis... Toi Alexandre, t'en penses quoi de la journée d'hier? J'en pense que je suis actuellement en contre-jour mais vraiment violent. Mais donc je vais me tourner. Voilà. Yes, nickel. Génial. Parfait. Alors si vous voyez pas Alexandre comment il tient la caméra, c'est juste magique. C'est-à-dire que la caméra... Je suis un professionnel de la débrouille. Vaut environ 800 euros. Et je la tiens à 2 cm du vide là. Non mais la journée franchement était super bien. Jane Fonda, je savais pas du tout qui c'était en fait avant que ça commence. Et une fois qu'on a appris à la connaître en fait pendant tout le film, donc le film il a duré combien de temps? 2-3 heures? 2h30. Le film il a duré 2h30. Au début je connaissais pas Jane Fonda, genre tout le monde se levait, applaudissait, moi je suivais. Et à la fin du film en fait on connaît tout sur sa vie, on voit tout ce qu'elle a traversé et on se dit elle est incroyable. C'est incroyable, genre tout ce qu'on peut faire dans une vie. Elle est allée par exemple au Vietnam diriger des batteries anti-aériennes vietnamiennes alors qu'elle est américaine, donc du coup ça fait des problèmes, elle a eu un procès, mais elle a réussi son procès, enfin. Une vie de folie et franchement un film super intéressant. Et là normalement on va voir c'est la salle de Bussy. On va aller dans une salle qui s'appelle la salle de Bussy. On va aller voir un film qui s'appelle, je sais même plus, franchement je sais pas encore. Je crois que c'est Dice Trooper et je sais pas si ça va être un documentaire en fait. On est au courant de aucun on sait pas le genre que c'est, on va découvrir. On sait même pas à quelle heure on va manger et ça, actuellement tu peux leur dire. Et ça c'est grave. Et je suis sûr que si ça se trouve, les gens qui vont voir la vidéo, ils vont dire: ah mais Jane Fonda, mais on la connaît. Mais oui, on la connaît, Jane Fonda, t'es un inculte. Attends, connard. Bon, il est 40, la prof nous attend. J'espère qu'on pourra filmer en fait. Aujourd'hui, il est censé pleuvoir pendant une heure ou deux. Mais j'espère pouvoir filmer quand même pas mal. We'll be right back.
Oh, il marche ou quoi? Ouais. Yes. Yes, I. Ça y est. Yes, I. Bon. Il fait chaud. Il a arrêté de pleuvoir. C'est génial. On adore. Enfin, ça fait 3 jours quand même qu'il a plu. Qu'il pleut plus. Non, ça fait 2, même pas. Bon, il faisait moche. Et on a monté les marches. C'était super cool. Bon, c'était un peu. C'était rapide et intense. Mais. C'est comme quoi? On va pas le dire. Non, en vrai, c'était bien. Je suis content. Ce fut Alexandre, pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, ben déjà, on a eu quelques jours de pluie. Mais là, on peut voir qu'il fait quand même vachement beau. Alors bien évidemment, les jours où c'est ultra intéressant de filmer, c'est les seuls moments hein, où on n'a pas le droit d'avoir la caméra dans le bâtiment. Donc du coup, j'ai même failli me faire retirer l'appareil en fait, en rentrant dans le palace. Mais du coup, j'ai quand même réussi à faire quelques plans. Et donc là, du coup, on va au Miramar, voir un film qui a été primé. Et on va passer à côté d'hôtels extrêmement richissimes. Et honnêtement, je pense qu'on a de quoi bien découvrir. On a déjà plusieurs marches, qu'est-ce qu'il y a? Non, aussi, il y avait des gens. Ah, des... c'est pas grave. CRS, ils ont trop mal regardé. Grave. Bon, on en était avec où? CRS, ils ont trop mal regardé, moi je les regardais, je sais. On était où du coup? T'as dit qu'on allait au Miramar. Exactement. Et qu'ils avaient été primés. Exactement, donc film primé. Et pour l'instant, hier on était allé au palais, on a monté les marches. Donc c'était ultra stylé, on nous a vu. Là où il y a les stars. On a été ouais, on était filmé en direct, il y avait. Ouais, sauf qu'il y a eu des stars qui sont venus en même moment que nous. Des stars, ouais. On pouvait se voir sur les grands écrans, c'était super sympa, mais malheureusement on n'avait pas le droit de prendre de photos, ni même de filmer. Donc forcément c'était un peu embêtant. Et ensuite on a vu un super documentaire de 2 heures sur Whitney Houston. Malheureusement je crois que la moitié de la classe s'est endormie vu que c'était pas très. Tout le monde qui a dormi. Tout le monde s'est endormi parce que c'était une séance de minuit. C'était impossible. Donc on était un peu fatigué. Un petit. Oh la vache, par contre il y a un yacht, mon pote. Et hier, du coup, on a croisé. C'est fou tout ce qu'on peut croiser à Cannes. Hier, on a croisé John Travolta. Et on a aussi. Je vous montre normalement dans le montage pour intégrer des photos. Et on a aussi vu les frères Bogdanov. Enfin, un des frères Bogdanov. Et actuellement. Comme vous pouvez le voir. Grand ciel bleu, il fait chaud, il fait beau. Il y a des boutiques de luxe partout. Des boutiques de luxe absolument partout. Et des CRS tous les 3 mètres. Donc ça va, c'est sympa. Là, au moins ça rassure parce que ça veut dire qu'ils ont optimisé la protection et du coup c'est bien. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que si vous voyez la protection qu'il y a, franchement, on peut pas dire qu'ils sont pas en place. Ouais, c'est sûr, en même temps avec ce qui s'était passé l'année dernière. C'était à Nice, non? Ouais, c'était à Nice. C'était sur la première des Anglais. Ouais. Yeah, Paul. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le relais de la reine? Et voilà, plein d'hôtels. Super. Alors regardez au port, vous voyez un yacht qui est immense. Il y a un yacht, mais... Il fait 4 fois ma maison. Je suis sûr. Yes. Sûr. Sur une plante. Yes. Ouais. Non, les bateaux c'est joli. Donc, ouais. Donc on va se retrouver directement devant le Miramar. Plus. We'll be right back.